Oh, elle me fait. Elle veut me parler. Pardon. C'est la première fois que je parle à une meuf depuis 2 mois, donc. Viens. Apprends, dis-moi, moi je suis un obsédé. Oh, t'es mal, les boobs. T'as le micro d'activer, hein. C'est pas Covid, hein. Et mec, je suis en train de faire la bise. Il est déjà 16h. Archlore. Mec, ça me fascine. Tu sais que c'est la première fois que je vois quelqu'un porter dans la vraie vie un casque VR. Tu me vois? Ouais, je te vois. Là. Non. Je suis en train de dessiner la zone. Donc tu vois que je te filme? Faut que je mette. Ouais, je vois. C'est au sol. C'est insane. Hé, dégagez de là, les chiens. Et du coup, les chiens, ils doivent te prendre pour un connard, quoi. Je sais pas, mais... Quoi, on va voir le canapé dans le jeu? Ouais, le canapé, je le définis. Même mon bureau, je peux le définir, ça fait une table. Waouh, mais attends, c'est fou, parce que j'arrive pas à comprendre et je vais comprendre, mais ouais, c'est incroyable. Le bureau, je l'ai pas mis, parce que sinon, il apparaît sur l'interface et des fois, il passe à travers une fenêtre. Ça, c'est fou. Hé, elle me lèche le cul. Ah bah y'a plus rien, oh là. Ah si, attends, ça change. En fait, il détecte quand je mets les yeux, c'est ça? Ouais. Ah ok. Ah oh. Bah en fait, mec, tu sais quoi? Oh, what? Mec, le texte. Attends, je vais me prendre la fenêtre. Je vais me prendre la fenêtre ou quoi? Non, y'a un mètre et demi encore. Oh, ok. Non, c'est trop bien fait. Tu vois, tu sors de la zone là. Oui. Sors ta tête de la zone. Non, je sais pas, y'a un mur. Non, y'a pas de mur, c'est le canapé qu'il y a derrière. Si tu la sors assez de la zone, tu vois derrière en fait. Mec, ça manque, je peux pas. Donc, je vais tomber, mec. Hein. Non, tu vas pas tomber. Si. Non, tu vas pas tomber. Ça coûte combien de nouveau? Non, en dessous, mec, là. Je suis en train de... Je vais tomber. Non, si. Tu vas pas tomber. Ouais, c'est perturbant avec la planète. Hein. Bah oui. T'as l'impression que tu vas tomber, mais... T'inquiète pas, t'es bien droit. La 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 la. Mec, je suis dans l'espace. Ouais, t'es dans l'espace. C'est incroyable. C'est incroyable. Mec, c'est incroyable. Oh, waouh, ouais, rigole. Fais gaffe, y'a le mur. Hein. Ouais, je vois. Waouh. Mais non, j'ai encore mis pause. Oh, tu pues de la gueule, en fait. T'imagines, tu sens les odeurs. Mais en vrai... Je vais l'acheter. En vrai, bah attends, faut voir le reste parce que. Ouais, là, parce que là c'est juste une vidéo. Ouais, c'est une vidéo, c'est un truc de dinosaure. Donc après à voir, mais parce que là ça me choque pas par rapport à la réalité. Mais mec, insane, fais-moi voir la suite, j'ai trop hâte. Vas-y. Cimer gros. Et bien c'est tous et tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel, salut. Arthur il est là, oui, et il y a un androïde avec nous ou quoi là? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très particulière, un petit vlog filmé avec le téléphone, hein. C'est vraiment made in home. Arthur, ici présent, Firestorm, va me faire découvrir, alors il m'a déjà fait découvrir, vous allez voir ça après. Il m'a déjà fait découvrir un petit peu, une petite partie, mais il me fait découvrir le casque VR, c'est un Oculus Quest 2. Je suis un boss. Est-ce que je vais craquer? Est-ce que je vais l'acheter ou pas? En tout cas, voilà, on découvre et c'est incroyable. N'oubliez pas le pouce bleu. J'espère que cette vidéo vous plaît. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos vlog test, n'hésitez pas parce qu'il va bientôt acheter une Ferrari. Donc, on pourra l'essayer. Non, une Ferrari, c'est pas assez. Ah, c'est pas assez? Une Pagani. Ah, une Pagani, bah c'est comme tu veux. Moi, tout me va, t'inquiète pas. Ouah, je vois ce que tu vois. Ah, tu vois? Ouais. Oh, y'a Anaïs. Eh, mais attends. C'est pas Iman? Bah oui. Dans des Genshin? Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? En fait, en vrai, entre nous. Ouais. En vrai, c'est éclaté au sol, VR chat, non? C'est un truc vraiment basique. Enfin, je sais pas, sans vouloir. Tu peux jouer avec tes amis, hein. Moi, si je veux, là, tu vas dans social, tu peux créer un groupe. Une fois, ouais, amis. Mais moi, je viens chez toi quand je veux jouer avec toi. En fait, même si on habite loin, si c'est pour parler, on fait une convo Discord. Après, voilà, je suis pas fermé, hein, mais. Et le push to mode, je crois que c'est ça. C'est la touche. Ouais, j'ai trouvé, c'est ouais, bon, c'est ça. C'est ça. J'ai juste pas parlé. Aïe! Je me fais déjà engueuler. Il faut. S'il vous plaît! Faut savoir que les mouvements que tu fais du coup avec tes mains se font dans le jeu aussi. Tu peux faire des fucks? Je sais pas du tout. Je crois que ça ferme les doigts deux par deux donc je suis pas sûr que tu puisses faire des fucks. Oh mec, c'est incroyable! Oh, elle me fait! Elle veut me parler! Pardon!
C'est la première fois que je parle à une meuf depuis 2 mois, donc... Hey, viens! Je te jure, il y a une meuf, elle m'a fait ça. Salut. Oh, je suis en train de lui faire... Attends. Il y a que des trucs de cul aussi, regarde. Il y a que des trucs de cul. Et après, on dit, c'est moi, je suis un obsédé. Oh, t'es mal les boules. T'as le micro d'activé, hein. Ils sont en train de se foutre de ma gueule? Je sais pas, je comprends pas ce qu'ils disent. Ils sont tous autour de moi là. Ça m'angoisse. Mais elle est en train de mettre un vibromasseur. Ils ont des vibromasseurs! Ils ont des vibromasseurs, gros! Elle joue à ça! Ils ont des vibromasseurs! Eh les gars, vous avez des vibromasseurs! J'ai fait un bide. Oui, complètement. Je crois que je l'énerve. Mec, c'est incroyable. Ouah, regarde sa bite! I hate French people. T'es sérieux, toi? Who is the people who don't like French people? I like your dick. Do you like French? No. Because I'm a French and I have a big dick, okay? I do not believe you. If you don't trust me, it's not my fucking problem. What's your fucking problem, bro? I am from Africa. Are you fucking racist? Hey, oh! Y'a plus personne! Je suis tout seul! Ah! De quoi t'es tout seul? Y'a un français! Y'a un français! Y'a un. Allô? C'est toi qui crie comme ça? Non? Ben, je vais te le dire et je vais le répéter, ta voix est vraiment douce. Merci! Alors, pour me mettre dans le contexte, qu'est-ce que tu essayes du coup? Ouais. J'essaie un roller coaster. Qu'est-ce que ça essaye du coup? Ouais. Ouais. Oh mec. Ouais. Oh la vache. Ah mais non mais oui. En fait c'est pour pas que tu fasses une nausée. Ah d'accord, ils te font faire un test. Ouais. Après ils demandent si ça va. Et si ça va après ils envoient la sauce, c'est ça. C'est ça. Et là, ça vibre dans tous les sens parce que je réponds pas et ils croient que je suis mort. Ouah la vache! Oh oui! Là, ce qui m'attend. Oh ouais! Ça donne la nausée. Non, je rigole pas. Quand t'as des gros déplacements comme ça, ouais, ça donne la nausée. Quand je suis tombé, tu vois, tout à l'heure du toboggan, ça donne la nausée. Ah ouais, je comprends. T'as vu, elle te dit t'es en train de tomber, mais ton corps il dit non, mec, tu tombes pas. Oh là, ça me fait mourir. Ouah! Qu'est-ce que t'as vu, un looping? Tu sais quelle impression tu donnes? Non. Tu donnes l'impression d'être monté dans une attraction et de regretter. Ah ouais. T'étais en mode tout content il y a 30 secondes et d'un coup c'est... Oh la vache. Je lui ai donné un coup je crois. Non, c'est lui qui donne un coup. Ouais, il y a le Père Noël à côté de moi, hé. Eh, c'est pas Covid, hein. Eh mec, je suis en train de lui faire la bise. Je vois l'intérieur de sa mâchoire. Mec, j'ai une perche à selfie. Et ça fait des photos pour de vrai! En appuyant sur A! L'autre A! Je suis en boss. Et il dit salut! Non, je suis en boss! J'entends faire de vrai dans le casque! On peut appeler ça du coup un multiverse? Bah ouais, il me semble. C'est ça un multiverse? Ah ouais. Non, un métaverse. Pardon, métaverse, ouais. Donc on peut carrément dire que je suis rentré dans le métaverse, quoi. Donc toi, t'as fait classique? Ouais. Et lui à côté, il est au calme, le squelette? Il n'en a rien à faire. Il a même pas de harnais de sécurité ni rien. Je suis désolé de te le dire, frérot, il n'y a absolument personne à côté de toi. Je l'ai pris en photo, je te montrerai. Ça va, t'es pas trop désespéré de ton maître? Il n'y en a plus rien à faire de toi. Il a un chien virtuel maintenant. Oula, c'est quoi ça, c'est le boss? Ah ouais, on décolle. Oula, il est en train de retourner sa tête. Il n'y a plus rien à faire, c'est peine perdue, hein. Question? Ah oui, non, je parle à ton chien, t'inquiète. Ah d'accord. Moi, ce qui me fascine, c'est que quand t'as le casque sur la tête, bah t'es dans ton univers, t'es dans ton monde en vrai. Et après, une fois que c'est quelqu'un d'autre qui l'a, bah tu le vois dans sa solitude. Donc du coup, t'as le recul. Et une fois que tu remets le casque sur la tête, t'oublies que t'es dans sa solitude. Bah en fait. Ouais. Mais c'est un truc de malade. Mais c'est flippant. Hein. Moi, je trouve ça flippant en vrai. Oh, on voit la planète! Donc là les amis, à l'instant ce que j'ai essayé, on est sur Google Earth VR. Donc là je suis en train de voir ce qu'Arthur voit, mais j'ai déjà vu avant, je suis allé à Los Angeles, Hollywood, c'est trop stylé. Genre, c'est un truc de malade. Mais c'est fou parce qu'à l'écran ça fait pas pareil que quand t'as ouais, le... C'est différent. Bah ouais.